les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, pour Chéri Chéri, quoi de neuf? Oula, j'ai aperçu une carte mais elle n'est pas sortie. Oh, bon. J'aurais mieux fait, elle aurait mieux fait de sortir parce que alors, franchement, celle-ci est pire. J'avais aperçu en fait le cavalier de deniers, où on sait que c'est un cavalier qui est très très lent pour avancer, mais alors là, on n'est même plus dans la lenteur, on est dans le blocage total. Bon ben voilà, on est revenu à des chéris chéris. On était passé par des petits chéris chéris, super motivés, super enthousiastes, qui avaient envie de s'engager. Là, on est revenu à des chéris chéris complètement bloqués, paumés, fermés. La peur de stabilité, hein. Oui, bah par rapport à vous, bah oui. Que voulez-vous que je vous dise? Le schéma reprend. On a donc quelqu'un qui n'arrive pas, en fait, à donner à l'autre. Alors, comme toujours, hein, et d'ailleurs, ça a toujours été le cas, rappelez-vous, mais il ou elle vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un avec des énergies très hautes, un parent génial si vous êtes parent, quelqu'un de créatif, quelqu'un de bienveillant. Vraiment, il voit comme quelqu'un de super, mais... ça veut pas quoi, ça veut pas, et puis bah, quand ça veut pas, bah ça veut pas, oh, bah, oh la vache, ouais, ça veut pas du tout, hein, ici on a le roi des épées, donc avec cette carte on voit bien que chéri chéri, en plus la communication c'est foutu, c'est mort, alors peut-être parce qu'il vous trouve trop incroyable, ou elle vous trouve trop incroyable, ou peut-être aussi que, attention, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué là depuis quelques temps, à vouloir vous être trop bien, ben peut-être que vous représentez le père, la mère, vous voyez, et ben pas l'amoureux. Et ça, ça peut être compliqué, donc faites attention à votre posture. Mais en tout cas, ici, chéri chéri est sûrement très froid, tout à fait bloqué, et vous, vous avez beau être au top, ben ça le déclenche pas ou ça la déclenche pas pour autant. Bon, ok, allez, on continue. Ok, bon, là il y a un fardeau, hein. Il y a un vrai fardeau, un fardeau lié à la famille. Alors, peut-être que vous n'avez pas les mêmes projets familiaux, peut-être que l'un d'entre vous est déjà engagé, donc ça c'est forcément, ça peut être problématique. Si vous êtes parent, ça peut être aussi la problématique que chéri chéri envisage, mais là il n'arrive pas du tout, elle n'arrive pas du tout à lâcher prise. Il ou elle est complètement submergé, sous le poids des responsabilités que l'un ou l'autre vous avez, et il ou elle ne sait pas du tout comment gérer ça. Quitter sa famille pour vous, ah, compliqué financièrement, la famille, nanana. Se mettre avec vous alors que vous avez des enfants, ah, compliqué, parce que bon, c'était pas forcément son projet. Réussir à reconstruire quelque chose alors qu'il a été trahi, ah, compliqué. Vous voyez, c'est un peu tout ça, quoi. Évidemment, vous adaptez cette guidance à votre situation, les amis. Je ne vous le répéterai jamais assez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, on a un chéri chéri qui... tout est dur, quoi. Tout est difficile, tout est compliqué... Ouais, bah alors là, on a même la carte de la tempérance renversée. Mais où va le monde, les amis, je vous le dis? Il ou elle vit ici une véritable instabilité, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, peut céder à certaines choses négatives pour lui ou pour elle. Hein. Ça peut être des addictions, ça peut être des comportements un peu autodestructeurs. Mais articule, enfin! Et du coup, forcément, c'est compliqué. Et vous qui êtes dans votre stabilité, qui êtes quand même au top, ben pour chéri chéri qui... ben, elle n'est pas complètement, en réalité, ben, vous représentez aussi une forme de défi. Hein. Non, c'est compliqué. Ouais, bon, ben voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais appeler ce tirage, c'est compliqué, hein, faut croire. Non, mais là, on a un chéri chéri qui, encore une fois, hein, est extrêmement sur ses gardes, vous observe, sait à quel point vous êtes là, patiente, à l'aimer, pour celles qui restent patientes, hein, ou patients, évidemment, mais en tout cas, n'arrive pas à lâcher prise, n'arrive pas à voir le côté positif, n'arrive pas à se laisser aller, tout simplement. Hein. Alors après, comme je vous le disais, au niveau d'un volet un peu familial, je dirais, ou des projets de vie communs, vous avez peut-être des difficultés, des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui font peur à chéri chéri. Donc, si vous en avez la possibilité, ça peut valoir le coup d'en parler, hein, d'être aussi la personne qui va aller mettre les deux pieds dans le plat, parce que de toute façon, c'est pas chéri chéri qui va le faire aujourd'hui, visiblement. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. Je vous rappelle que pour l'été, les signes sont en train de sortir, et des énergies sentimentales de chéri chéri. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.